À 74 ans, Francis Huster révèle ses blessures les plus profondes. Le comédien a confessé dans son livre « Pourquoi je t'aime » paru aux éditions Le Cherche Midi en février avoir été violé dans sa jeunesse. Il avait 11 ans. Un drame qui l'a rapproché d'un autre comédien, Patrick Dewar. Ce dernier a lui aussi subi des violences sexuelles. Dans le documentaire Patrick Dewar, mon héros, diffusé vendredi 21 octobre sur France 5, il s'est confié sur les raisons pour lesquelles ils ont tissé une amitié particulière. J'ai très bien connu Patrick quand on était à l'école, a-t-il raconté sur France 5. On s'était parlé, on était devenus copains et on s'était surtout rejoints parce qu'on a tous les deux été violés quand on était enfant. Il a porté sa souffrance toute sa vie. Patrick Dewar s'était également confié à Bertrand Blier et à l'acteur Gérard Depardieu. Dans un livre paru en 2017, Gérard Depardieu, qui partageait l'affiche avec le comédien dans Les Valseuses, dévoilait qu'il avait été abusé sexuellement durant son enfance, il avait un encombrement en lui que la drogue a, un temps, mis en paix. Patrick Dewar est mort le 16 juillet 1982 à Paris. L'acteur s'est suicidé à 35 ans. Un décès qui était un véritable mystère. Avec ce documentaire, le réalisateur Alexandre Moy a voulu connaître la vérité. Si est-il chose faite, grâce à la fille du défunt comédien, Lola Dewar. Dans cet hommage télévisé, elle signe la voix off et a raconté l'inceste qui l'a traumatisé. Tu as été la proie d'un pédophile, si est-il la fille de Patrick Dewar qui avait révélé le viol sur son père. Durant ton enfance, tu as subi des attouchements sexuels et des viols à répétition, avait-elle déclaré dans le même documentaire Patrick Dewar, mon héros. Tu as enduré pendant des années des actes monstrueux qui t'ont bousillé à jamais. Des confidences à cœur ouvert. Que s'est-il passé? Sa mère, l'actrice Mado Morin, avait refait sa vie avec Georges Collignon. À la maison, Patrick Dewar est élevé avec ses cinq frères et sœurs dans un climat de violence. Tu as été la proie d'un pédophile qui abusait régulièrement de toi, entend-on encore Lola Dewar, 42 ans, déclaré. Un secret que la mère de Patrick Dewar aurait pu garder enfoui. Avant que ta mère ne meure, j'ai exigé qu'elle me raconte tout. Mado a refusé. Mais je ne lui ai pas laissé le choix. Je l'ai prise entre quatre yeux, et elle finit par tout m'avouer. La vérité qui finit par éclater permet de mieux cerner ce personnage tourmenté.